Salut à tous, c'est Raveur pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis tout seul déjà, il n'y a pas Artfrag. Et je teste ce jeu tout seul tout simplement parce que lui, son PC, il buguait un peu sur le PC, sur ce jeu-là. Donc moi, j'y ai jamais joué, hein. Il a tenu à ce que je regarde pas d'intro ou de vidéo sur YouTube. Il m'a juste dit que c'était l'histoire d'un artiste que tout le monde croyait qu'il était fou en fait, parce qu'il disait partout qu'il y avait des trucs qui se passaient dans sa maison, mais que personne n'osait le croire. Donc il passait pour un fou. Et donc pour ne pas passer pour un fou, le but du jeu c'était de placer des caméras dans sa baraque. Donc voilà, on va tester ça. New game. Alors, le jeu s'appelle Paranormal. Bah moi faut savoir que je flippe vachement, hein, que en temps normal je flippe pas trop parce que je suis avec It's Artfrag qui Friday, commente. July 1st, 2011. Hello, my name is Mattel Clark. I'm an artist, and I've come to believe that my house is haunted. Je découvre en même temps que vous, hein. Lately, things have been going bump in the night. A lot. So, I've set up cameras around my studio, and I've got one here, and I've started recording things to try and prove to people that I'm not going crazy. This is the studio. This is where the magic happens. Don't mind the posing mannequins. I pick those up at Amazon. They help me visualize the 3D space when I'm working on my sculptures. There's some works in progress over there on the mat. Alors You're déjà gonna chez le swear mec c'est something assez will bizarre quand happen in même. a second. Really trying to show that this is real and that I'm not trying to get famous on the internet. Hein? Ok, là c'est moi qui dirige. Ok, donc déjà il y a plein de petits bonhommes partout là, je sais pas trop. Ouais, c'est peut-être parce que c'est un artiste. Oui, là on est au studio. Donc là il y a un truc. Donc il m'a dit que c'était la touche E pour interagir avec les éléments. Et c'est tout ce que je sais. Mais en fait j'ai un peu peur venant d'Artfrag parce que comme il m'a dit que de pas regarder et tout, à mon avis il doit y avoir des trucs qui foutent les boules. Donc là, la fenêtre qui mène dehors. L'écran est pas trop stabilisé, c'est un peu. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, soit le mec fait 1m20, mais on est toujours, la caméra est toujours à hauteur de comptoir, donc. Ah, je vois pas trop de trucs à faire. Il y a un couteau, je vais peut-être pouvoir le prendre ou. Bah, je connais pas trop le but du jeu en fait. Ah, j'aime pas trop. Déjà, ça me fait peur rien que les trucs qui bougent pas. Donc, comme ça, on est tranquille. Là, je viens d'entendre des pas là. Je vais reculer ma gueule de l'écran quand même parce que ça commence à foutre les boules. Alors là, vous voyez, il y a une trappe en haut. Et j'entends des bruits en haut. Je vais aller en haut. Oh putain, j'ai pas envie de regarder. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter le jeu là. Putain de sa mère. Non, c'était moi. C'est quoi ça? Ah, j'ai pas envie de monter. Oh, allez, je monte. Je peux pas monter? Ah si, je peux monter. Oh putain, je peux monter. Suis dans le noir, je suis dans le noir. Oh putain. Presse F to ask. Ok, je suis dans. Y'a rien. Parfait. Je peux plus avancer là. Ok. Oh putain, j'entends des trucs. Ah, ça me fout les boules. Pourtant, il s'est rien passé. Bon, allez, je vais descendre. Moi je regarde pas, hein. De toute façon vous voyez ce que je vois, ça sert à rien que je me foute les boules moi. Donc là il y a une map monde par terre.
Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez entendu ou pas là? Ah, la caméra qui arrête pas de bouger, par contre, c'est juste un peu chiant. Est-ce qu'on peut ouvrir là? Oui, on peut ouvrir. Ok, ça met nous ça. Au garage, très bien. Le garage, théoriquement, il se passe pas trop de choses dedans. Oh putain! J'entends des bruits de. Your caméra. Je dois trouver un lit pour aller me coucher. D'accord. Ouais, mais attends, parce que mon pote là. Il est où ton lit? Hein. Bon, d'accord. Bah écoute, il s'est rien passé en bas. La dernière indication de Heartfrog concernant le jeu, c'est d'avoir de bien fouiller le sous-sol. Bah, j'ai rien vu. Donc là, on voit qu'il y a des espèces de traces en haut. Donc, enfin, pour qui mène en haut, donc je vais monter en haut. Ah merde, j'avais déjà le. D'accord, donc là, je suis remonté en haut, donc au point de spawn. Je vais partir par là. Oh putain, j'ai plus de batterie. Faut que je trouve un lit. Ah, j'ai un lit là, yes. Je vais aller me coucher. Là, c'est plus moi qui contrôle. D'accord. Donc une caméra a été cassée. Going to sleep. Ok. Ah, là je vais me réveiller. Ok, j'ai repris le contrôle du jeu. Mais qu'est-ce que je dois faire? Une porte. Je rentre dans la salle de bain. C'est quoi ce bruit? Ok. Donc là, il y a. Je vais regarder dans le miroir, je pense qu'il y a des chiffres en haut. 1, 4 et 5. Et là, le lavabo, il s'est rempli. De sang. Très bien. Et où est-ce que ça me mène ça? 1, 4, 5, qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Je vais rouvrir la porte? Je ne peux pas? Ah oui, d'accord. Alors moi je me mets derrière la porte pour l'ouvrir. Oh putain. Ok, donc là attendez, parce que les traces de pas mènent dans l'eau. Et dans l'eau, donc il y a une fille qui a l'air triste là. Avec une baignoire de sang. Ah, je me retourne doucement parce que j'aime pas trop me retourner. Ok. 1, 4, 5, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vais essayer de suivre les traces rouges qui est au plafond. Là, je sais pas trop si ça fait quelque chose ou quoi, mais. Je vais retourner par là-bas. Bien sûr, les portes s'ouvrent toujours du mauvais sens, hein, sinon ça. Ok. Donc là, il y a juste un bonhomme qui est devant la porte. Casse-toi. Voilà. Ah parfait, je peux pas le contourner. Ah. Bah ouais, mais. Oh my fucking god. Donc là aussi, vous avez pas entendu peut-être le truc qui est tombé tout seul. Un truc se déclenche là. What the hell? C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi c'est rouge là? Ok, cool. Le crâne. Attendez, j'entends un bip là, ça vient d'où ça? Non, là j'entends derrière. Oh putain, me dites pas que c'est dans le sous-sol. Oh putain, c'est quoi ça? Ça s'est éteint. Parfait. Attendez, c'est quoi ce réveil là? J'entends un truc qui sonne là pas loin.
Putain, mais j'entends du bruit partout, ça m'énerve. Et pourquoi le mec... Ah oui, c'est la caméra qui est là. D'accord, voilà, ça ne fait rien. Je vais redescendre dans le sous-sol. Et là, je m'aperçois que tout le monde est autour de l'escalier. C'est génial. Ok, bruit de fou. Ok, tout qui tombe par terre. Moi je me casse, moi je me casse, moi je me casse. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est l'alarme qui est ici. Ah, ta gueule. Oh, il y a le feu. Ah, d'accord. Oh putain de sa mère. Je ne contrôle plus. Ah si, je contrôle. Donc là, il y a un truc qui m'a juste poussé par terre. Et putain, c'est quoi ça? Donc là, il y a le feu dans ma baraque. C'est super. Avec des petits bonhommes qui tournent autour. Oh putain. Il y a un truc dans ma cuisine. Oh putain, tout est... C'est quoi par terre? Des fleurs. Ouais, c'est des fleurs. House is evil. La maison est le diable. Donc là, j'entends un bruit d'eau. Qu'est-ce qui... Ah, d'accord. En fait, je comptais aller chercher de l'eau pour éteindre le feu, mais le feu s'est éteint tout seul et tous les trucs se sont mis. Nice dog. Ça veut dire. Chien intéressant. Bon chien. Bah ouais, t'es gentil, toi, mais. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est quoi cette porte là? J'ai pas été voir. Elle s'ouvre pas. Ok. Je vais retourner là. Ah, je suis coincé. Oh, faut que j'aille me coucher, j'ai plus de batterie. Je vais remonter en premier. En fait, le jeu est pas mal, le graphisme est pas mal, mais la manière de se déplacer est un peu chiante. Et le fait qu'il n'y ait pas un truc à faire bien précis, c'est un peu... J'aime pas trop les jeux où on doit chercher ce qu'on doit faire en fait. Ah putain, il est en haut de l'escalier ce bâtard, casse-toi toi. Ah, quand j'ai peur, ça me rend agressif moi. Allez, je vais aller me coucher parce qu'il me reste plus qu'une barre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais pas me coucher quand la batterie est faible... En plus, on n'a pas un flingue, rien du tout. Hein. Allez, je me couche. Ok, toujours la même caméra qui filme l'entrée de ma chambre. Et... Oh putain, d'accord. Donc là, il y a une espèce de femme. Et il n'y a plus la femme. Donc... J'ai quand même le sentiment d'avancer dans le jeu, en fait. Mais j'ai pas, je sais pas trop ce que j'ai fait pour avancer dans le jeu. Mais toujours à cette même question existentielle, c'est pourquoi le mec ne déménage-t-il pas, quoi? Parce que ça peut arriver à... Ah, très bien, il m'a laissé un petit message. Don't sleep, ne dors pas. Pourquoi ne dors pas? Il faut bien que je filme, les gens doivent voir. Puis moi j'ai envie de jouer quand même. J'ai entendu une porte se fermer, mais aucune porte n'a bougé. Ça doit être en bas. Je vais aller voir en bas. Oh putain, ça fait du bruit. Oh putain, c'est quoi? Oh, c'est quoi? Je peux plus bouger. Je peux plus bouger. Je fais quoi là? Bah oui, mais il faut bien que je puisse me défendre peut-être. Non, non, bon, on va les laisser lui niquer la gueule. Ok, parfait. Parfait, parfait. Donc là, j'entends toujours du bruit. Allez, je rush là, je veux de l'action là. Vas-y, qu'est-ce que t'as toi? Vas-y, boum boum, ouais.
Ah, du coup, je suis en train de chercher. Allez, donc là, le robinet s'est allumé. Est-ce que je peux l'éteindre? Voilà. Là, j'entends boum boum boum. Là, je sais pas si vous l'entendez aussi. Du coup, je vais aller voir au premier. Ah non, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un nouveau message sur le tableau. Jennifer, Marcus, Jérémy, Sarah. Et là, on a le Sarah. Donc, j'imagine que la meuf qui a spawn dans la flat s'appelle Sarah, peut-être. Donc, du coup, soit ça va être Jennifer, Marcus ou Jérémy qui vont peut-être spawn. C'est que de la déduction, j'en sais rien du tout. Hein. Donc là, je dois m'attendre à voir deux autres mecs et une autre meuf, je pense. Je vais retourner en haut parce qu'il y a rien à faire en bas. Ah, la télé en fait affiche des trucs un peu chelous. Hop. Bah ouais, je vois bien, mais. Faut que je remonte me coucher peut-être. Voilà. Là, je commence à entendre du bruit là. Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain! Ah, je rush. Don't sleep. Oui, bah je ne dors pas, ok. En même temps, regardez le mec, les tableaux qu'il met, quoi. Un vieux qui mange un corps. J'ai juste envie de te dire, va te pendre. Comment tu veux qu'il t'arrive pas de conneries? Bon, alors là, j'ai toujours rien dans la salle de bain. J'ai les chiottes ensanglantées. Ah. D'accord. Bon bah. Tant qu'à faire. Et ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est un tableau? Oui, c'est un tableau. D'accord, mais je sais toujours pas quoi faire avec avec les chiffres là. Putain, alors Hardfrag, l'indication de tout à l'heure c'était fouille bien le sous-sol avant d'aller en haut. Bah ouais. Simplement j'ai que ça à faire de fouiller le sous-sol. Et ah, ça a encore changé, là tous mes bouquins sont par terre. Dis donc, Sarah, est-ce que c'est toi qui fais le ménage? Je redescends. Oh, ça sent le démon. Ah, j'ai pas été faire le garage. Voilà, oh, le mec, il a mis le boxon intégral dans ma piole. Donc là il y a de la musique. Mais d'où ça vient? D'où vient la musique? Est-ce que c'est pas la voiture? Bon d'accord. De toute façon, j'ai plus de batterie, il va falloir que j'y aille. Je vais peut-être pas faire durer la vidéo 50 ans non plus, mais bah là, vous voyez ça, vous vous dites peut-être que c'est un peu de la merde ou quoi, mais quand vous jouez. Puis là, vous voyez les conditions dans lesquelles je joue, hein. Il fait pas vraiment nuit, easy, la télé est allumée. Et pourtant, vous voyez. Je flippe un peu quand même. Et. Oh putain de sa mère, lui, qu'est-ce qu'il fait là? Alors qu'il y a Jésus en mode mannequin qui vient d'arriver. Donc sleep là, je vais enfreindre l'ordre qui m'a été donné, donc je vais dormir. Ah le... Parfait. Le jeu a cessé de fonctionner. Eh ben écoutez. Est-ce que je le prends la peine de le relancer? Bah écoutez, on va découvrir ensemble si quand on relance le jeu, on revient à l'état norme, à l'état où on est arrivé. Ou si tout simplement on recommence tout depuis le début. Trololol. Voilà. Ça c'était hard. Parce qu'en fait si vous voulez je... Comment dire? Attendez, deux secondes. Voilà. Il voulait m'entendre en fait pendant que j'étais en train de... Pendant que j'étais en train de faire la vidéo. Et du coup il s'est mis là en mode mute. Donc on a pas eu de contact pendant la vidéo mais... Bah du coup, attendez, on va bien voir. Est-ce qu'on reprend tout depuis le début ou pas? It
Ouais. July 1st. D'accord. Donc en fait, si vous voulez vous mettre sur ce jeu-là, faut tout finir d'un coup. Ou tout recommencer. Attendez, j'essaie de le fermer. Voilà. Bon, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc c'était une petite présentation du jeu Paranormal. Artfrax, si tu veux revenir. Yo les gens! Voilà. Bon bah sympa le petit jeu, hein. Ouais, et bien d'ailleurs je t'avais dit de fouiller le sous-sol, parce que moi comme par hasard ça arrive qu'à moi. J'ai fouillé genre la première salle devant moi, et là d'un coup il y a eu un bruit chelou, il y a un truc qui m'est tombé sur la gueule, mon perso est tombé par terre. Et moi à la fin le jeu a aussi crashé, sauf que moi j'ai monté les escaliers, il y a un bonhomme de bois qui m'a poussé dans l'escalier, je me suis cassé la gueule dans l'escalier. Et là mon jeu a cessé de fonctionner. D'accord. Donc c'est quoi? C'est une bêta? Pourquoi ça bug comme ça? Je sais pas, non, je comprends pas pourquoi ça bug. Non, c'est un jeu qui est vraiment connu, mais je sais pas. D'accord. Bon, en tout cas, c'est sympa comme jeu. Si vous voulez le télécharger, on mettra le lien dans la. La Bah, si description. vous avez le logiciel uTorrent, vous pourrez le télécharger. Parce que c'est un lien BitTorrent, hein, c'est ça? C'est ça. Bah, Et par contre. ouais, donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc je vais revenir devant mon écran parce que maintenant j'ai plus rien à craindre, donc je vais pouvoir me rapprocher. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'était bien sympathique en tout cas. Et bah voilà, on va essayer de vous faire découvrir encore plein d'autres jeux. Abonnez-vous, c'est surtout important pour faire démarrer la chaîne, nous donner de la force un petit peu au début, Me de motiver, ouais. s'abonner et même de mettre des commentaires et tout, ça fait de l'animation sur la chaîne et c'est toujours pas mal. Donc voilà, je vous Ça nous remercie fait d'avoir plaisir. regardé la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de test de jeu avec Artfrag sûrement dans les jours à venir. Je vous remercie, au revoir. Salut. Ouais, il était pas mal ce petit jeu. Bah, tu verras la vidéo, il m'est arrivé tout un tas de trucs. Mais ce qui est bien, c'est que comme t'es arrivé à la fin et t'as dit ce qui t'était arrivé, les gens ils voient qu'il n'arrive pas toujours la même chose. Mais tu l'as vu la meuf qui spawn dans une flaque de sang là? Bah tu verras. Il y a une meuf qui a... Il y avait une flaque de sang par terre, il y a une meuf qui commençait à spawn comme ça. Bah tu vas voir ce que j'ai vu moi. Il me semble pas. Oui, j'ai vu les cartons qui bougeaient, mais. Enfin non, je les ai vus déplacer déjà si tu veux. Ouais, je l'ai pas vu moi. Non, je l'ai pas vu moi. Bah, tu regarderas ce que j'ai vu de toute façon, mais.